au-delà de là-bas. Ah. Voilà, nous sommes en direct des Nations Unies. Et le sommet qui a été convoqué par Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, invitant les présidents sierra-léonais, guinéens et libériens, et mobilisant aussi les bailleurs de fonds, les argentiers du monde entier à soutenir ces trois pays touchés par Ebola. Nous sommes donc dans cet effort. Vous voyez ici deux pays réunis, la Guinée qui a été touchée, qui a été le foyer de cette maladie à virus Ebola, mais aussi la Sierra Leone. Les Sierra Leoneux sont venus aussi pour supporter l'action de la Manoriva Union, présidée par le professeur Alpha Condé, président de la Guinée. Du côté, ici c'est la Guinée, donc nous sommes là pour supporter les efforts que le président Alpha Condé est en train de mener pour botter l'Ebola hors de la Guinée. Donc nous sommes là dans ce sens-là, et comme vous pouvez voir, l'imagination n'est plus le cas, vous pouvez voir l'enthousiasme et l'euphorie même de la population guinéenne, et qui s'est mobilisé fortement devant les Nations Unies malgré le mois de carême, malgré ce soleil de plomb et malgré aussi le timing, parce que cet événement n'a pas été du tout planifié comme on a l'habitude. Mais malgré tout cela, les gens se sont efforcés pour avoir des congés afin de venir ici supporter la cause commune qui est la lutte contre l'Ebola, une maladie qui a fait plus de 10 000 morts dans les trois pays, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Et donc nous avons besoin de l'aide, ça c'est une réalité. On a besoin de l'aide non seulement pour construire des hôpitaux modernes et qui peuvent répondre ici à toutes les maladies virales de la taille de Ebola, mais aussi pour renforcer nos infrastructures sanitaires, les équiper à l'aide des équipements modernes, mais aussi la formation du personnel sanitaire pour que les Africains, surtout la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone dans ce cadre-là, puissent désormais faire face à une maladie comme Ebola, et pour qu'on ait des laboratoires chez nous-mêmes pour pouvoir diagnostiquer les maladies à virus Ebola, à virus à viral, et pour ne pas avoir besoin de l'Occident, et chose qui a permis à la maladie de se propager. Et quand on sait qu'on n'avait pas les moyens de diagnostiquer et ni de définir les modes de prévention. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Et moi je suis du côté de la mouvance présidentielle de la Guinée. Je suis le secrétaire politique des sections des États-Unis. C'est Bilo Sano. Je vous remercie. Nous sommes là aujourd'hui pour Manoriva et spécialement pour le support de Help, l'aide pour le Ebola. C'est ça qui nous motive aujourd'hui. Et sinon, aujourd'hui c'est un grand vendredi, dernière semaine de mois de carême. Nous sommes là pour prier le bon Dieu et enlever le Ebola dans notre pays. Et nous comptons sur nos chefs. Vive la Côte d'Ivoire, vive la Guinée, vive Libéria, vive la Sierra Leone. Africa, bonsoir les États-Unis, nous sommes très contents ce soir parce que nous avons reçu nos présidents de la Sierra Leone, de la Guinée et puis le Libéria pour le combat contre Ebola. Ebola a été vraiment un fléau qui a ravagé beaucoup en Afrique ces dernières années. Donc nous sommes là, nous nous battons. Nous sommes de cœur avec vous, nous ferons tout pour que l'Afrique sorte de ce problème de Ebola. Vive Africa, nous irons jusqu'au bout avec Ebola. Merci. Maintenant.
Fana la Guinée, vraiment Fanny a soutenu les. Anouye Moussa Pak, l'association des femmes guinéennes de USC. Donc, Anouye, Dine Luya, Moussou Luya, Ké Luya. Ambella Denyan qui a soutenu, Ibolako, Aldan de Menyame, Andon Kalon, Aldan de Menyame, parce que Tubabou Lanala, Abra Bara Menkambraye, Abra la Bara approuvé, élection de Setondi. Anouye Foido, à la deuxième tour, à deux soronyam, à deux rabats, à une élection, parce que quand même, il faut avoir OK. Merci beaucoup. Anya doua okela alinyuma na dala malinyuma wada amfa na lama nyuma dondambra netole kade sano ndeye Moussa Pak association des femmes guinéennes. Rémi Lama, ministre de la Santé. Et je vous remercie pour cette grande mobilisation et nous vous encourageons de continuer à soutenir notre cher président, le professeur Alpha Condé, qui se bat comme un lion pour sortir notre pays de l'ornière. Donc nous comptons sur vous et que les élections futures, le 11 octobre 2015, que nous fassions un coup KO. En tout cas, nous comptons sur vous énormément. Merci pour tout. Merci, monsieur le ministre. Il devait être la norme pour vous serrer la main, vous féliciter. Vous dites qu'il compte sur vous. Mais malheureusement, il a été appelé d'urgence pour une autre rencontre. Il me charge de vous dire merci. Il compte sur vous. Et que le 11 octobre 2015, on a besoin de votre suffrage. Continuez à le soutenir. C'est le seul qui peut nous sortir de l'ornière. Donc voilà ce message que j'ai voulu vous faire passer. Dire que nous comptons sur vous. En Guinée, nous avons déjà fait notre mieux. On est en train de faire notre mieux. Vous savez les difficultés qu'on a traversées actuellement, qu'on est en train de traverser, dû à Ebola. Mais malgré cette épidémie d'Ebola, il est en train de faire du miracle. Aujourd'hui, qu'on a créé à la lumière 24 sur 24, grâce au projet Kalea, Kaleta du Moins, qui a aujourd'hui 8 jours. Et grâce également aux autres méga projets, j'avoue que nous avions intérêt, tout intérêt, à lui accorder nos suffrages le 11 octobre 2015. This is Afi Vision Nouvelle. Brunch Sunday 9 p.m. to 10 p.m. Thursday 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69. Manhattan and New Jersey Tuesday 12:30 to 1 o'clock. Channel 67, 85, and 36. Brooklyn and Staten Island Friday 7 o'clock to 7:30. Channel 68, 79, and 43. Queens Friday 7 o'clock to 7:30. Channel 43. This is our website www.avntv.net. Once more, www.avntv.net. Thank you.